Ok, donc toujours en New Game Plus. Alors là, je vais faire cette zone que j'aimais bien, une partie du manoir du volcan là. Là, je suis ici, là précisément. Voilà, l'église de la veille carcérale là. Donc j'aime bien cette zone. Et donc là, je vais la refaire en New Game Plus. Plus, c'est une zone où j'avais un petit peu galéré. Ah bah lui, super, il a pas réagi. Alors attends, non, je vais pas le poursuivre. Je vais continuer par là. Alors, là, je me demande. Tu vois là, parce que quand il y a les chiens comme ça, en fait, si je prends ça. Tu vois, avec ça. Hop là, tu vois, ça peut le faire. Mais bon, là j'ai envie de garder le bâton putréfié à plus 10. Donc qui est une arme colossale, donc très puissante et qui en plus met de la putréfaction écarlate sur les ennemis. Donc là il y en a pas mal sur les toits là qui balancent des saloperies. Et évidemment il y a ça. Ouais, tu vois, 11 000 et quelques runes. Donc ça c'est bien ça. Parce que là j'ai équipé, vu que là les ennemis donnent plus de runes, j'ai automatiquement équipé le scarabée d'or. Automatiquement. Pour vite level up. Hein. Quand c'est dans les New Game Plus, là oui, c'est intéressant. Surtout que là, c'est une zone qui commençait à devenir, on va dire, sérieuse en termes de difficulté et de runes. Donc là, oui, ça vaut le coup de s'équiper du scarabée d'or et de commencer à faire, on va dire, une mini psychose pour avoir un max de runes. Parce que je rappelle que mon but, c'est d'être niveau, c'est 713, hein, c'est ça le maximum. Donc avoir 99 sur toutes les stats. Hein. Donc là, je les ai empoisonnés, donc je les ai laissés mourir, hein, parce que j'étais sûr qu'ils allaient mourir. Lui, bon, je sais plus c'est quoi ce scarabée, j'en ai plus besoin, mais dès que je vois que ça brille. Ah putain, j'ai laissé tomber en bas. Et en bas, il y a du bruit, du boucan. Ah, ok. Attends, hop, je vais partir par là. Oh merde, je l'ai loupé. Oh merde! Oh le con! Putain! Oh merde, je suis tombé dans le vide! Oh là là! Oh, j'ai déconné là! J'ai déconné de ouf! J'ai déconné, mais bon. Tranquille. Donc, ça aussi, hein, comme j'explique souvent dans mes vidéos, c'est que il faut. Même si je connais la zone et même si je suis en New Game Plus. Enfin, justement, parce que je suis en New Game Plus, faut faire gaffe. Hein. Faut pas prendre les choses par-dessus la jambe. Faut jouer en mode sérieux, parce que un accident est vite arrivé. Je vais reprendre cette route-là. Il est pas stun après le. Là, cette zone est compliquée, hein, parce qu'avec eux là qui jettent du poison, plus ceux qui sont sur les toits, plus les vierges, hein, ça fait beaucoup.
Ouais, il faut faire attention parce qu'elles prennent pas la putréfaction, elles. Donc, eux, allez, à distance avec l'arc. Comment il a bombé. Voilà. Comme ça, vous allez mourir tout doucement. Ouais, pas assez vite. Ouais, tu vois, là il meurt pas, dès que je les frappe, hein, tu vois, donc voilà, c'est bien, c'est ce qui était prévu. Dans cette zone-là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Donc là, je peux invoquer, hein. Bon, je les ai pas sortis là parce que c'est vrai que j'aurais pu, hein. C'est vrai que j'aurais pu. Donc alors si je veux aller droit au but dans le jeu, je suis pas obligé de passer par là. Je suis pas obligé de passer par là. Mais comme j'expliquais dans mes précédentes vidéos, mon but certes c'est d'arriver au New Game Plus 7, mais quand même pas forcément en rushant de ouf quoi. Voilà, parce que j'ai plaisir à me balader dans le jeu, à essayer de maîtriser le jeu. Ah, tu le feu contre le feu. Tu vas être stun? Non, il est pas stun, j'aurais dû prendre la potion. Tiens, d'ailleurs. Il me donne l'idée. Je vais l'invoquer. Il est où? Parce que lui, il est bourrin, lui. Hein. Ah, il est bourrin, lui, hein. Le tueur de réprouvé, lui, il est bourrin. Ah, il tape, hein. Ah, il tape, hein. Il se pose pas de questions, lui, il attaque. Alors, il y a un chien qui est là, quelque part par là. Ouais. Après, je vais pas forcément faire toutes les zones à 100%. Hein. Parce que là, en plus, cette zone-là, il y a pas mal de... Parce qu'il y a pas mal d'embranchements d'endroits. Il y a aussi le fait de là sur la première partie, donc vu que la première partie du jeu, hein, j'entends, vu que je connaissais et que je suis en New Game Plus, donc là clairement mon niveau était beaucoup plus puissant que les ennemis. Donc c'est là que j'en ai profité aussi pour faire mes petits tests des différents armements. Différentes armes, différents... Ah, c'était ici le saut de l'arbre monde. Donc tout ça, j'ai, hein. Donc je peux aller un peu plus droit au but. Tu vois, là, quand il y a des objets en hauteur comme ça, bon, c'est vraiment, si j'y pense, je vais les chercher, sinon, non. Par contre, là, à l'intérieur, j'ai envie de me friter, ici. J'ai envie de me friter. Je me rappelle qu'il y a de la grosse baston, là. J'espère que j'aurai assez de ressources. Allez, je vais l'invoquer lui. Parce qu'en fait, il y a elle et au-dessus, il y a des petits merdeux là, au-dessus. Là. Attends, je vais passer direct au-dessus. Parce que c'est au-dessus qu'ils sont chiants. Voilà, eux là. Parce
que là, leur poison, là, ils rigolent pas. Hein, parce que c'est quand je suis dans le nuage de poison, je prends des dégâts en plus d'être empoisonné. Donc c'est énorme. Hein. Donc là, les vierges, là, comme ça, en fait, là où elles sont compliquées, c'est qu'elles sont impossibles d'être stun. Et on peut pas... Ah merde, j'ai pas assez esquivé. J'aurais dû faire une roulade. Elles peuvent pas être empoisonnées non plus. Elles peuvent pas être putréfiées. Et il faut pas être devant elles, parce que sinon, elles font cette attaque-là, là. Les serpents bras, là. C'est terrible. C'est des adversaires assez... Mais elles sont sensibles au sacré. Là, j'ai pas de sacré avec moi, là, mais je sais qu'elles sont sensibles au sacré. Voilà, tu vois, là, le réprouvé, là, je t'ai dit, il a pas le temps. Lui, il tape. Lui, il est là pour taper. Il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il tape, il bourrine. Ça fait du bruit, tu vois, c'est... J'aime bien ça. Les invoques dans ce jeu-là, vraiment, je les trouve bien parce que elles sont... Elles sont variées quand même. Il y a vraiment beaucoup différentes invoques qui ont différentes priorités, qui font différentes choses de différentes manières. Il y en a qui bourrinent direct, il y en a qui temporisent, il y en a qui attaquent que quand toi tu attaques, il y en a qui gèrent que à distance, il y en a qui font les deux, il y en a qui... Et ça j'aime bien. Donc je sais que les invoques dans ce jeu-là font énormément débat. Hein. Sur le fait que oui, est-ce que ça casse le plaisir de jeu, est-ce que c'est un défi en moins, est-ce que ça enlève du défi, etc. Moi, comme j'ai souvent dit dans mes vidéos, je ne trouve pas que les invoques soient craquées. Même les invoques à plus 10, même des invoques fantomatiques à plus 10. Ah, bien joué. Et je trouve que c'est un peu trop réducteur, quoi, en fait, par rapport à ce qu'elles proposent les invoques, comment tu peux les jouer, comment tu peux gérer ta manière de jouer par rapport aux invoques. Je trouve que c'est un peu réducteur. Mais bon, hein, on connaît les gamers, on a toujours besoin de se flageller, de trouver des manières pour flageller notre ego. Et dans ces jeux-là, on sait que c'est la difficulté, on sait que c'est le challenge qui prime avant tout, donc voilà. Hein. Donc dire que les invoques c'est craqué, ça permet de dire que on est encore gamer et que la difficulté ça ne nous fait pas peur. Quoi. Mais moi, comme j'ai souvent expliqué, moi je suis pas dans ces délires-là, malgré que j'ai fait tous les souls, je suis pas du tout dans un délire de difficulté. Moi, ce que je veux, ce sont des jeux justes. Donc, quand je joue à un jeu comme ça, hein, je les ai tous, hein, j'ai fait tous les sous, j'ai fait Bloodborne, j'ai fait Sekiro, j'ai fait Elden Ring, hein, évidemment. Et je me dis pas, ouais, chouette, le jeu, il va être dur. Non, tu vois, c'est pas ce que je me dis. Donc, moi, j'ai aucun problème à utiliser les invoques, et de toute façon, je ne trouve pas qu'elles soient pétées. Autant pété que ce que j'entends, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, par exemple, il y a les boucliers, là. Les invoques boucliers, là, les 5 boucliers, c'est marrant, tu vois. Eux, ils restent en bouclier face à l'ennemi. Et donc, ils permettent de le bloquer. Donc, moi, j'ai utilisé ça pour tuer Radagon, par exemple. Parce que Radagon, franchement, il est chaud. Hein. Il est chaud, hein, comme boss de fin. Et donc, sur sa première phase, donc, en fait, je les utilisais pour qu'il bloque Radagon. Donc après c'est un peu compliqué puisque le mec il saute, il vole, etc. Mais par moment il le bloquait, et quand il était bloqué, ben, je lui faisais l'attaque de Mog, quoi. L'attaque de la lance de Mugwin avec le sang. Donc tant qu'il était immobilisé. Et si j'y arriverais pas... Ah ouais, c'est vrai, lui il pécho. Et si je ne serais pas arrivé, ben je pensais à utiliser la compétence de l'épée. Voilà, alors hop, je vais activer ça déjà. L'épée, j'ai oublié comment elle s'appelle cette épée, tiens d'ailleurs. Il faudrait que je la réutilise, hein. J'ai pas beaucoup utilisé cette épée-là. Celle-ci, l'épée de la nuit ardente, avec la fameuse attaque Kamehameha DBZ de Final Flash, là.
Et ça aussi, c'est bien, tu vois, quand l'ennemi il est bloqué. Donc, tu peux te servir de l'invoque pour qu'il bloque l'ennemi. Et une fois l'ennemi bloqué, eh bah, tu lui balances une super attaque comme ça, par exemple, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les invoques, quoi. Ah, merci, mais encore une. En effet, dès qu'il recule comme ça. Ça, c'est bien parce que je peux enchaîner avec le deuxième coup. Donc là, je me suis mis l'incantation pour guérir justement du poison. Voilà, j'ai mis ça. J'ai anticipé un petit sort de soutien. Et donc là, c'est j'ai juste fait le tour. Ok, bah du coup, là, oui, je vais me reposer pour me ressourcer. Je vais juste faire un petit saut à la table ronde. Enfin, avant de faire ça, je vais juste voir parmi les sauts que j'ai. Parce que donc j'ai le saut des doigts, on va dire, c'est le saut classique, très bien. Alors, le saut sacré de l'arbre monde. Donc, tac, tac, tac. Alors, toutes les réponses. Donc, lui, vu qu'il faut 40 en fois pour le porter, donc j'ose imaginer que les bonus d'incantation, ils sont puissants. Hein. Bon, là, évidemment, c'est que 60 hein, par rapport à 191, hein, mais parce qu'il n'est pas gonflé, quoi. Mais en fait, je cherche. Donc, ça, c'est le sceau qui augmente les incantations de chevalerie. Et j'avais pas un sceau qui. Attends, il est peut-être dans mon coffre. Parce qu'il me semble que j'avais un sceau qui augmente la puissance des. Oh, c'est pas là les sceaux. Ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Donc renforce les incantations des cultes draconiques. Donc c'est ça. C'est celui-là qu'il faut que je vise. Ok. Donc ça, c'est les flammes des géants. Les incantations bestiales. Ok. Donc comme le jet de pierre. Et lui. Lui aussi. Renforce les incantations de pouvoir draconique. Donc lui de base en bonus d'incantation. Ah ouais, mais je l'ai monté à plus 2. Et lui, il a combien? 128. Ouais, faudrait que je compare les deux. Faudrait que je compare les deux. Donc lui, il a un scaling de B en ésotérisme et D en foi. Alors que lui, il a C en foi. Ouais. Communion draconique. Alors, t'as les incantations draconiques et la communion draconique. C'est pas la même chose. Et pourquoi je vise ça? C'est pour ces attaques-là, en fait. C'est pour ces attaques-là. Donc incantation. Ouais. Non mais ce sont tous des incantations. Alors faudrait que je sache que lequel, tu vois, ce pouvoir-là, flamme draconique, c'est quoi? C'est une incantation draconique ou une communion draconique, tu vois? C'est pas exactement la même chose, hein. Alors je peux avoir un élément de réponse ici. Si je regarde ici, église de la communion draconique. Donc c'est de la communion. Parce que ce pouvoir-là, je l'ai looté ici. Donc c'est communion draconique. Et qui dit communion draconique dit. Eh ouais, hein, c'est technique, hein. Faut faire très attention à ce genre de choses-là. Hein. Hop. Communion draconique. Donc c'est celui-là qu'il me faut. Communion draconique. Donc là, j'ai pas toutes les pierres de forge qu'il faut, hein, évidemment, mais tiens, ouais, c'est vrai, j'ai des perles cinéraires à donner aux vieilles jumelles. Donc là, en muguet, c'était quoi? Du mortifère 1, 2, 3, ok, d'accord. Le reste.
Il y avait quoi? Ouais, donc la gravité, donc des eaux. Ouais. Ok, bon, c'est bon, j'ai tout. Ok. En plus, ce qui est bien avec ce sceau de communion draconique, c'est que en poids, il pèse zéro. Bon, c'est pas la chose la plus importante, mais quand même, parce que des fois, ça peut jouer à très peu hein, au niveau du poids. Je vais le gonfler. Ouais, bon, voilà. Là, je bloque à pierre de forgeron plus 6. Sachant que, tain, on voit, et après son scaling, il passe en A, hein, en ésotérisme. Et là, je suis en train d'augmenter justement mon ésotérisme pour pouvoir utiliser la lance de Mogwin. Ok, donc la petite halte a été faite. Du coup. C'était le quartier des invités. Allez, je vais essayer de jouer avec la lame relique sacrée. Donc, le pavois doré. Le set de Malenia parce que je le trouve stylé. Voilà. Voilà, ici. Malenia avec. Donc là, je change les talismans. Je mets celui-là qui consomme moins de PC quand je fais une compétence. Que là, j'utilise que les compétences. Hein. Fragment d'Alexander qui augmente la puissance des compétences. Le scarabée d'or pour avoir plus de runes, comme j'expliquais tout à l'heure. Et en dernier, lui. Celui qui augmente la puissance des dégâts sacrés. Par contre, je prends plus de dégâts. Donc, faut faire attention à ça. Alors, ouais. Par contre, j'ai pas mon talisman de la tortue. Ben, on verra si j'en ai besoin. Et puis, en plus, je la trouve stylée comme ça, Malenia. On va essayer avec ça. Et si je vois que ça va pas, je changerai. Ah, par contre, les fioles, non, c'est pas bon. Il me faut plus de fioles. Plus de fioles de mana, vu que j'utilise beaucoup son attaque qui consomme énormément. Voilà. Alors, ici, par où il fallait passer? Alors, ouais, on pouvait descendre par là. Et ici. Ouais, c'était là où j'étais tout à l'heure. Ok. Voilà pourquoi je kiffe, c'est pour ça. Voilà, allez, disparaissez. Ça va tellement loin, ça fait tellement mal. Ils sont relous les ennemis en hauteur hein, ici. Donc là, il faut que je récupère l'ascenseur. Ça met au sol.